Bonjour à tous et bienvenue pour ce Préhistoire en jeu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a 2 semaines et qui parle du Moyen-Âge. Ce jeu, c'est Kingdom Come Deliverance. Développé par Warhorse Studio, il nous met dans la peau d'un fils de forgeron dans le village de Skalice, en pleine bohème du 15e siècle. Un des arguments de vente de ce jeu a été la fidélité historique. Des combats, des personnages, des vêtements, mais aussi de l'histoire générale qui se déroule dans le jeu. Forcément, cela ne pouvait que me plaire. Du coup, en attendant le très gros épisode Histoire en jeu sur Kingdom Come Deliverance, je me suis dit que j'allais vous donner mon avis sur mes premières heures de jeu. Donc c'est parti pour un top 6 des choses qui m'ont vraiment bien plu dans le jeu. Et à la fin de la vidéo, il y a quand même des points négatifs. Surtout, ne vous attendez pas à de grosses mises en scène avec des armures, des armes, etc. Ça, ce sera pour l'épisode dans quelques semaines. C'est parti! L'action se déroule au tout début du 15e siècle. Nous sommes dans le royaume de Bohême, au sud-est de Prague, qui est alors la capitale de l'Empire romain germanique. Le jeu nous place en plein milieu de la crise de succession suite à la mort de l'empereur Charles IV. Son fils Venceslas IV lui succède, mais ne faisant pas l'unanimité, le roi de Hongrie Sigismond vient lui prendre sa place. Enfin ! Enfin un jeu qui nous place dans cet espace politique qui est assez méconnu et assez peu étudié finalement. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Serge, le Saint-Empire romain germanique. Alors déjà, Empire romain germanique ça suffira. Mais saviez-vous que l'Empire était un ensemble assez complexe de principautés et de royaumes? Saviez-vous que l'empereur était élu par quelques nobles? Le deuxième point important, c'est que l'on incarne un jeune homme qui grandit. On incarne un fils de forgeron, tout jeune, qui ne sait pas faire grand-chose. Tu es élevé, c'est déjà ça. Et Kingdom Come Deliverance est un RPG, un jeu de rôle, ce qui veut dire que notre personnage va évoluer au fil de notre aventure. Il va gagner de l'expérience et des points de compétence. Plus vous pratiquez une compétence, et plus vous allez vous améliorer. Plus vous vous battez à l'épée, et mieux vous savez vous battre. C'est simple, basique. Mais derrière cette logique de gameplay, c'est le parcours initiatique d'un jeune homme du Moyen-Âge qui est retranscrit. Tu as encore beaucoup à apprendre. Notre propre méconnaissance du gameplay, en tant que joueur, coïncide avec la totale méconnaissance du jeune homme de l'art de la guerre. On apprend les rudiments du combat à l'épée avec un maître d'armes de passage à Skalice, ou on apprend à se servir d'un arc lors d'une session de chasse. Le game design, les règles du jeu et le gameplay nous immergent dans un Moyen-Âge qui est très crédible. Les habitants réagissent à nos vêtements, à notre attitude. Par exemple, si vous sortez votre arme en ville, les habitants vont être choqués. Vous mettez votre arme à la ceinture avant qu'un garde ne voit. Vous devez vous laver aussi pour ne pas faire fuir les gens. Profitez des prestations du vin public. Et quelles prestations voulez-vous? Oh, you touch my tra-la-la. Je suis blessé, il me faut un médecin. Ensuite, j'aimerais prendre un bain chaud et laver mes vêtements. Ce jeu va permettre de corriger un cliché que les gens ont sur le Moyen-Âge. Les gens de cette époque étaient moins sales que les gens de la période moderne. Vous voyez les visiteurs? Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Faut oublier. De la même manière, les habitants vous saluent de manière chrétienne. Et cette dimension religieuse est très importante pour comprendre les comportements du Moyen-Âge. En numéro 4, je placerai le réalisme, mais surtout le réalisme jusque dans les petits détails. Au-delà du réalisme des armes, des armures, mais aussi des vêtements de l'époque, l'architecture des châteaux respecte les codes de l'architecture militaire et civile de cette époque. On peut notamment voir des chemins de ronde ourdés, des chemins de ronde soutenus par des poutres en bois en encorbellement au sommet des courtines. Dans les pièces de vie des châteaux, on peut même voir de très belles fresques. Et le long des routes, on va voir de nombreuses croix d'expiation, sortes d'ex-voto, ce qui était extrêmement fréquent à l'époque. En numéro 5, je placerai le codex. C'est une encyclopédie incluse dans le jeu qui est divisée en 5 parties. Une partie générale, une partie sur les lieux que l'on va rencontrer, une partie sur les événements, sur la société médiévale et sur les personnages que l'on rencontre.
Les fiches sont très complètes, par exemple les noms des personnages sont donnés dans leur version tchèque. Je n'ai pas pour le moment noté de grosses erreurs, si ce n'est quelques fautes d'orthographe. Certaines fiches expliquent des choix artistiques, c'est un contenu un peu dense, qui interrompt aussi les phases de jeu, mais c'est vraiment très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Enfin, en numéro 6, je mettrai la gestion du temps. Le réalisme des déplacements vous donnera envie de parcourir le monde de 9 km² à pied ou à cheval. Les développeurs ont redonné une valeur au temps. Prenons un exemple. Normalement, dans les jeux, quand vous allez en prison, vous en sortez assez rapidement. Eh bien là, non. Pour mon premier séjour en prison, d'une durée de 8 jours, cela a duré 8 minutes. 8 minutes à regarder cette horloge tourner. Eh bien, croyez-moi, vous allez y réfléchir à deux fois avant de commettre un crime. Il y a quand même des points négatifs. On peut regretter qu'il n'y ait pas de calendrier ni la gestion des jours de la semaine. La traduction française n'est pas très convaincante. Les dialogues sont souvent incohérents, le héros se contredit souvent. Corbleu, tu veux que je déterre un corps, que je récupère une bague sur lui et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis ? Il n'y a donc rien de sacré pour toi. J'ai changé d'avis. Je vais faire ce que tu me demandes. Mais il faut croire que c'était le prix à payer pour avoir une liberté d'action et une liberté dans le développement psychologique du personnage. Bon, je m'arrête là, il y a encore plein de choses à dire, mais soyez patients, l'épisode Histoire en jeu arrive très bientôt. En attendant, portez-vous bien, salut !